Et c'est tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo info sur Lego Marvel Super Heroes 2 parce que le jeu sort dans moins d'une semaine et je vois vraiment pas l'intérêt de faire plus de vidéos info. Et donc la séquence de gameplay que vous avez devant les yeux a été révélée il y a déjà plus d'un mois. C'est vrai que j'ai accumulé un peu de retard, un peu beaucoup même. Et cette séquence là c'est sur les customisateurs des personnages. Alors vous allez certainement vous dire, mais pourquoi faire une vidéo présentation sur le customisateur de personnages? Parce que je veux dire, le customisateur c'est un truc qui existe dans tous les jeux Lego depuis le tout premier Lego Star Wars. Et bien tout simplement parce que cette fois, leur customisateur est vraiment très très complet. Alors le customisateur est dans le manoir des Avengers au sous-sol à ce qu'il me semble. Et voilà, vous voyez derrière, il y a 10 panneaux en fait pour créer 10 personnages customisés. Alors c'est pas vraiment des panneaux, c'est plutôt censé représenter des comics. Et d'ailleurs pour info, dans ce jeu là, il n'y a toujours pas de customisateur de Big Fig. Voilà, c'est que les mini-figures pour l'instant. Et d'ailleurs, je sais vraiment pas pourquoi ils ont pas inclus un customisateur de Big Fig. Parce que je me rappelle dans le premier Lego Marvel Super Heroes, il y avait un customisateur de Big Fig. Mais bon, enfin bref, alors est-ce qu'ils vont nous montrer comment ça fonctionne? Oui, alors comme vous voyez, c'est un peu comme des couvertures de comics, voilà, il y a plusieurs customs, en anglais, customisation. Ouais, c'est la même chose qu'en français, hein, je veux dire, je sais pas pourquoi je le précise. Alors, en fait, cette fois, le customisateur possède plusieurs catégories, en fait, voilà, vous avez l'apparence, les capacités, les armes, etc. Et vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc quand je dis complet, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment complet, parce que pourquoi? Vous allez voir. Alors je sais pas si vous voyez la coupe de cheveux qu'il est en train de sélectionner là. En fait, il y a une roue de couleur à côté. Et tous les éléments avec une roue de couleur à côté, en haut à droite, bien on peut changer leur couleur. Voilà, tout simplement, on peut changer leur couleur. Alors, on peut aussi changer la couleur du visage, mais je crois que ça, c'était déjà une option dans les jeux Lego précédents. Voilà, donc comme vous voyez, alors il y a même certains visages où on ne peut pas changer la couleur, mais la plupart, ils ont quand même une roue de couleur en haut à droite. Voilà, tout simplement. Donc vous avez quand même un grand choix de couleurs, une palette qui est assez, assez large. Et cette fois, ils ont mis des attachements, c'est-à-dire des pièces au niveau du cou du personnage. Voilà, comme vous voyez, il y a des, toutes sortes d'épaulettes. De trucs comme ça, voilà, vous avez vraiment, vraiment énormément. Et ensuite, je pense qu'il va choisir un torse, oui. Alors le torse, on ne peut pas changer la couleur de la plupart des torses, mais vous pouvez toujours prendre un torse qui est plat, on va dire, qui n'a pas de texture, et puis changer la couleur. Voilà, alors les bras, cette fois, ils sont vraiment rentrés dans le détail, on peut sélectionner bras droit et bras gauche séparément. Et ça, je trouve que c'est vraiment une amélioration par rapport à l'ancienne version. Et si je me trompe pas, on peut aussi sélectionner des jambes différentes. Oui, exactement, sauf que cette fois, il va aller avec les mêmes jambes des deux côtés. Mais vous pouvez sélectionner droite et gauche séparément, bien entendu. Alors maintenant, on va passer aux capacités. Alors malheureusement, dans cette vidéo, ils n'ont pas pu démontrer vraiment le truc complet concernant les capacités. Mais on va passer à une autre vidéo qui est d'une qualité un peu mauvaise, mais qui montre vraiment énormément de choses. Alors voilà, c'est parti, on va entrer dans les capacités. Alors comme vous voyez, vous avez la capacité passive, ça veut dire qu'une capacité qui est intégrée dans le personnage, qui n'est pas contrôlée par un bouton, voilà tout simplement. Donc vous avez vraiment beaucoup, et je crois que si je ne me trompe pas, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Voilà, comme vous voyez là, ici, il a sélectionné, voilà, ça, 2, 3, ouais. Comme vous voyez, il y a des médailles d'or qui apparaissent en bas quand il a des capacités, etc. pour vous indiquer quelle capacité est-ce que vous avez choisi. Ensuite, concernant les boutons, alors les boutons c'est vraiment un truc super précis, c'est carrément si vous codez votre propre personnage. Vous regardez, rond, appuyé, ça donne un rayon, par exemple, il choisit un rayon je crois, ouais. Le type de dégâts, ça peut être tout ça, c'est-à-dire chaleur, électricité, son, glace, vraiment, il y en a énormément. Il prend un rayon de feu, et le... style du rayon aussi, on peut choisir, comme vous voyez ici, c'est vraiment un truc super complet. Alors en plus, il y a un preview, on va dire, pour vous donner une image de qu'est-ce que c'est chaque type de rayon. Et la couleur du rayon aussi, c'est possible de choisir, ça c'était vraiment incroyable quoi. Je trouve que c'est juste pas possible, c'est juste énorme. Et aussi, je crois que le dernier type, c'est d'où est-ce que le rayon est émis. Est-ce que c'est à partir des mains, à partir des armes, à partir des yeux aussi, je crois que c'est possible, voilà. Main gauche, les deux mains, la main droite,
et aussi, j'ai dit à l'envers, bon, c'est pas grave, et aussi des yeux. Alors, dans ce cas-là, ils n'ont pas donné d'armes au personnage, mais je pense que c'est aussi possible de faire que ça, ça sorte d'une arme. Et voilà, maintenant ils ont fini de coder le bouton rond appuyé. Alors maintenant je pense qu'ils vont faire le bouton rond juste cliquer dessus une fois, voilà. Comme vous voyez ici, je pense qu'ils vont donner la capacité de combattre, voilà exactement. Donc vraiment vous pouvez inverser les contrôles, ça veut dire que normalement c'est carré pour combattre, mais cette fois ça peut être rond aussi. Donc cette fois carré appuyé, ils vont choisir une explosion si je ne me trompe pas, oui j'ai regardé la vidéo avant, c'est pour ça. Explosion de quel style? Explosion style 2. Ça va aussi vous montrer normalement, voilà, explosion style 4, ça fait ça, voilà. Et je crois que vous pouvez aussi choisir, bien entendu, la couleur de l'explosion. C'est juste vraiment incroyable, quoi. Vous pouvez quasiment vraiment coder le personnage depuis le tout début. Et ça, c'est juste vraiment énorme. Alors, le seul truc que vous ne pouvez pas modifier, c'est quand un élément a une texture. Et quand ça a une texture, la plupart du temps, vous ne pouvez pas choisir la couleur. Mais bon, à la limite... C'est pas très grave, il y a une carte ou genre qui est tombée, mais c'est pas grave. Donc, cette fois, voilà, pareil, vous pouvez avoir un Hyper Jump. Si vous gardez X appuyé, ça veut dire un grand saut comme le saut du Hulk dans Lego Marvel Avengers. La capacité de vol aussi, c'est possible. Donc voilà, vraiment, vous avez énormément de choses. Vous avez aussi toute une catégorie d'armes. Vraiment, là, vous avez les griffes, par exemple. Vous avez trois types de griffes. C'est déjà vraiment pas mal. D'ailleurs, je me demande s'ils ont mis Wolverine, mais je pense pas. Je pense que c'est pas les griffes de Wolverine. Ensuite, vous avez, arme gauche, arme droite, bien entendu. Vous pouvez changer les couleurs, enfin, que ce soit des couleurs différentes. Alors ça, c'est tout ce qui concerne le personnage lui-même, en fait. Est-ce que l'icône de la santé, ça aussi, vous pouvez changer? C'est juste... Bon, vraiment, moi, je suis impressionné, quoi. Est-ce que c'est invincible? Est-ce que c'est standard? Bien sûr, tout le monde va choisir invincible, je pense. La voix, il y a plusieurs types de voix, ça c'est... Alors, vraiment, vraiment, là, je sais même pas quoi dire, quoi, à ce point-là. Vraiment, vous pouvez vraiment, comme j'ai dit, coder le personnage depuis le tout début. Et ça, c'est juste le point qui est le plus incroyable concernant ceci. Alors, le nom du personnage et puis le fond. Alors, le fond, c'est juste pour la page du comic, en fait. Là, ils vont nommer le personnage en fonction... de la personne qui est en train de jouer, je crois. Non, pas la personne qui est en train de jouer, la personne qui est en train de commenter. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme nom? Josh. Bon, pas très original. Et d'ailleurs, le fond, comme vous voyez, vous pouvez choisir le fond. Mais ça, c'est juste limité à la sélection du personnage. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du customisateur. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, je suppose. Donc si vous avez des questions concernant le jeu en général, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo sur la chaîne et au premier épisode du Let's Play sur LEGO Marvel Super Heroes 2 sur ma chaîne. Parce que bien entendu, je vais faire un Let's Play sur ce jeu qui a l'air d'être absolument formidable. Donc voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.